Pour des raisons scéniques, certains événements ont subi quelques modifications. Toute ressemblance avec une personne vivante ou ayant vécu n'est que pur hasard. Nous sommes maintenant dans la nuit du 30 novembre 1944 et le front se rapproche de Belfort. Les troupes américaines occupent le piémont des Vosges, tandis que la 2e DB vient de libérer Strasbourg le 23 novembre. Les unités allemandes se retirent pour éviter l'encerclement par les Alliés qui avancent vers le centre Alsace entre Lille et le Rhin. Sauter les trois ponts entre Benfeld et Herbsheim. Et maintenant, comment je vais te payer ton travail? En marque ou en francs? Nous sommes dans un no man's land. Maman! Maman! Nous avons parlé à des soldats de la 2e DB du général Leclerc. Arrête! Tu racontes n'importe quoi! Où sont donc tes soldats? Ils étaient au carrefour de la RN83 et de l'avenue de la gare. Julien, tu nous dis bien la vérité? Oui, maman! Nous avons même fait des photos et ils nous ont donné ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent qu'il faut le mâcher, c'est bon et ça reste dans la bouche tout le temps. Ne le mets pas dans la bouche, on ne sait jamais. Es-tu certain que c'était des Français? Ils arrivent, les Français arrivent. La 2e DB rentre dans Benfeld. Oh mon Dieu, enfin la libération.
Mademoiselle, connaissez-vous la route la plus rapide pour rejoindre le Rhin? Oui, enfin, moi je suis pas vraiment contente. Ça fait 3 jours que vous êtes à la cheval et seulement maintenant vous arrivez ici. Vite, vite, Suzanne Muller, comment ce drapeau pour nos libérateurs? Bien, bien. Non, Massu, avançons. Mon commandant, j'ai ici quelques Allemands qui se rendent. Très bien, docteur. Vous avez fait votre devoir de citoyen. Cuc, le drapeau français est déjà planté sur la tourelle de notre hôtel de ville. Sonnenwende permet aux troupes allemandes de réoccuper une grande partie du Rhin. De nombreux villages comme Herbsheim, Rhinau, Rosfeld et Wittenheim sont détruits. Et Benfeld se situe dans la périphérie des combats. Des affrontements dans le secteur occasionnent de violents bombardements sur notre agglomération. En quelques jours, on déplore une douzaine de victimes civiles et les habitants passent la plus grande partie de leur temps dans les caves. Le 14 janvier 1945, le PC militaire donne l'ordre d'évacuer la population vers les villages du Piémont des Vosges. Ce n'est qu'au début du mois de mars 1945 que les Benfeldois peuvent revenir chez eux. Ils retrouvent leur ville sinistrée à plus de 40%. Mais les troupes du Reich n'ont plus occupé la ville. Pour définitivement tourner cette page en 1970, Benfeld signe un serment de jumelage avec une ville allemande, Ettenheim. Depuis plus de 40 années, les deux villes vivent un réel et amical partnerschaft.
chaleureux. Merci pour vos applaudissements qui nous vont droit au cœur. Comme il est agréable d'être sous les feux des projecteurs. Tout le monde nous regarde. Mais pour que vous puissiez nous admirer, beaucoup de personnes travaillent dans l'ombre. Pour nos costumes, Julien, Isabelle, Karine et Martine travaillent depuis de longs mois déjà. Elles coupent, cousent, transforment de vieux vêtements pour les adapter à chacun d'entre nous. Elles ont des doigts de fée, et ce, quelles que soient les époques. Merci à Jean-Jacques Knopf de Benfeld TV pour l'enregistrement de nos voix. À Pascal qui a également écrit les musiques du spectacle. Ils ont passé beaucoup de temps à mixer nos dialogues avec de nombreux bruitages. Merci. Merci à nos amis choristes qui ont prêté leur voix pour le chant de la deuxième DB, ainsi qu'à nos amis conducteurs de magnifiques voitures que vous avez pu admirer sur les scènes, Alain et Marc, et tous les chauffeurs et tous ceux qui nous accompagnent dans les camions, les jeeps américaines. Merci. Et lorsque l'on demande à Jackie Wolfhard, l'auteur des scénettes, comment lui sont venues les idées des tableaux, comme l'exode de la population, ou l'arrivée de la deuxième DB, ou encore des anecdotes comme le vol des jumelles, ou les soldats épluchant des patates, il nous répond « Mais ce sont des histoires vraies. Mon père les a vécues et me les raconte depuis que je suis tout petit. » Donc, tout naturellement, c'est vers Raymond Wolfhard et son ami Claude Lardinet qu'il s'est tourné pour chercher les informations afin d'écrire les scénarios. Ils ont eu le souci de respecter le plus possible les faits relatifs à cette période. Nous espérons que les témoins de ces événements, qui sont encore nombreux parmi nous, seront satisfaits de notre reconstitution. Un grand merci à notre mère, Jackie Wolfhard, pour ses textes, et à Raymond et Claude pour leur collaboration. Et j'invite M. Wolfhard à nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, avant tout, merci de nous accompagner pour ce voyage de Benfeld à Clermont. C'est vrai que pour nous, c'était une grande découverte. Et je souhaite aussi remercier l'ensemble des figurants qui maintenant, année après année, nous accompagne lors des scénettes. C'est vrai qu'année après année, tous les étés, nous faisons un voyage, non pas un voyage géographique, mais un voyage dans le temps. Cette année, c'était la période des années 1940, et je tenais à les remercier pour leur sérieux et pour leur ponctualité à ce rendez-vous. Je vous souhaite encore à vous tous de bonnes fêtes et de bonnes soirées. Bonsoir.